Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 26 août 2024 est de 131 gourdes, 47,14 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition TMA pour la même journée est de 132 gourdes, 0,402 pour 1 $. À la clôture du marché le vendredi 23 août 2024, le baril de pétrole est à 74,96 $, soit une augmentation de 2,71%. Le budget rectificatif de l'État centré sur la lutte contre l'inflation intervient dans un contexte de contraction économique prévue à moins 3%, la plus sévère depuis la pandémie de COVID-19 selon l'économiste Kessner Farrell. Cette politique de rigueur budgétaire marquée par une réduction drastique du financement interne de 36 milliards de gourdes pourrait accentuer le ralentissement économique en limitant les capacités d'investissement de l'État, suscitant des inquiétudes quant aux conséquences sociales et économiques, informe le Nouvelliste. La population étudiante d'origine haïtienne en République dominicaine a connu une augmentation de 83%, passant de 94 740 en 2018 à 173 416 en 2023, représentant une part significative des élèves étrangers dans l'enseignement public. Chaque étudiant haïtien représente un coût de plus de 50 000 pesos dominicains pour l'État, soulevant des questions sur l'impact économique et culturel de cette croissance. Le ministère de l'Éducation dominicaine a mis en place des programmes pour renforcer l'identité nationale face à cette diversité croissante, indique le quotidien 509. La Banque de Jamaïque Bourge a réduit son taux directeur de 0,25% à 6,75%, marquant sa première baisse depuis 2019 en réponse à une inflation sous contrôle. Les leaders économiques saluent cette décision comme un coup de pouce nécessaire à une économie en difficulté, tout en soulignant l'importance de surveiller l'impact des futures hausses de prix dues à l'ouragan Beryl. Cependant, certains critiquent la mesure comme étant trop tardive et trop modeste pour revitaliser l'économie. Fin de la rubrique Profinfo. Merci de votre écoute. À demain. Profinfo, une courtoisie de Profil. Où demain, Camille? On lève la jeunesse en l'air. Dévoile-nous aujourd'hui, c'est pour nous tracer chemin demain. On offre la jeunesse la éducation, opportunité à qui environnement qui encourage le développement pour un pays qui bidjan. You are the one for me, for me, for me formidable. Vous êtes intéressé à un master en ligne? L'Université Notre-Dame d'Haïti vous propose son programme de Master en Business Administration, MBA, avec un enseignement assuré par des professeurs qualifiés haïtiens et étrangers. Le MBA de l'UNDH vous offre la possibilité d'obtenir une double diplomation avec l'Interamerican University de Porto Rico et un diplôme de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Cette formation vous permettra de développer de nouvelles compétences et vous propulsera au top du monde professionnel avec des qualifications académiques exceptionnelles. Vous aurez aussi l'opportunité d'échanger avec des professionnels d'entreprise en République dominicaine et à Porto Rico en fin d'études. Intéressé? Vous pouvez appliquer si vous détenez déjà une licence universitaire de n'importe quel domaine avec un minimum de 5 ans d'expérience de travail. Pour information et inscription, visitez notre site web le www.mba-undh.edu.ht ou appelez au 48 84 88 88. Le MBA de l'Université Notre-Dame d'Haïti en route vers l'excellence managériale.